Salut à tous. Allez, c'est l'expresso. Bon, ben on va commencer avec une des informations de taille, puisqu'on a appris hier la fin de TrickTrack, et donc de toutes ces variantes sur Internet, hein, que ce soit TrickTrack Show et autres. Les raisons, elles sont listées dans un communiqué qui est rédigé par Monsieur Guillaume. Je vous la fais courte, Asmodée est au capital, a maintenu en fait le site Superfusion et a décidé le stop de l'aventure. Comme ils sont au capital, ben, apparemment les autres éditeurs n'auraient pas voulu ou souhaité venir à l'émission. Et puis pour finir, eh bien, il y a les youtubeurs hein, qui n'ont pas besoin de ça pour vivre, mais qui sont apparemment producteurs de vidéos concurrentielles. Voilà, pas de commentaires sur cet avis. Et cette auto-analyse. Allez, on va passer sur la suite des infos assez réjouissantes de la journée, puisque Mythic Games a annoncé que la plupart de ses licences allaient être distribuées à d'autres diffuseurs, notamment Monolith, hein, qui récupère Rise Buster et Salomon Kane, et puis Cool Mini or Not, hein, qui va récupérer Super Fantasy Brawl. Pour ce qui est des autres jeux, on nous dit qu'on n'a rien à craindre. Hein. Bon, bah, c'est simple, hein, c'est l'histoire d'un type qui tombe d'un immeuble et puis à chaque étage, il se dit jusqu'ici, tout va bien. Allez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, à titre personnel, ces deux informations-là, sérieusement, elles me fatiguent. Côté AMG, tout va bien, on a appris que les lignes de vue partaient totalement en couille, mais c'est pas grave, puisque dorénavant, on aura la possibilité de passer notre tour. Donc, soyez heureux, bonnes gens. Des figurines, on pourra jeter un œil sur les Dark Troopers qui seront proposés à 55€ pour 7 figurines. Bon, ça va, on est bien sur des prix AMG, sur une rationalisation sur Marvel Crisis Protocol, c'est cool. Sinon, on aura le Fat Boba et le Crash X-Wing qui seront bien entendu présentés sur la page. On passe aux sorties de Games Workshop et on se refait le stock du Seigneur des Anneaux. Un Scorpius lance-missile pour Horus Heresy est arrivé. Et puis on a les Courloufs pour Underworld qui sont également présents. Moi, c'est pas ma cam, mais ils sont plutôt sympas. Côté top vente, à la troisième place du podium, on va donc retrouver le District Noir. En argent, on aura Unlock Extraordinary Adventures. Et au sommet, vous retrouverez Splendor Duel. C'est clair que ça sent clairement Noël. Voilà, je tenais à vous remercier pour les commandes que vous avez passées sur Jeux et Trollerie, parce que de toute évidence, le lien entre vous et moi s'est bien fait. Et il vous remercie de l'intérêt que vous portez pour l'activité du site et puis surtout pour la qualité de la prestation, parce que je crois savoir qu'au niveau des expéditions, ça se passe très bien et je m'en réjouis. Pour finir cet expresso, le petit conseil BD hein, que vous avez pris l'habitude d'avoir, et cette fois-ci, je vous conseille très 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 vivement aux éditions Must-Have de chez Marvel Panini Comics, l'excellentissime Wolverine Oldman. Donc on en avait déjà parlé, parce que j'avais déjà abordé le sujet de Steve McNiven qui travaille sur les licences Star Wars. Et là, franchement, sur cet ouvrage, on se retrouve avec une proposition qui est absolument excellentissime. Vous aurez, bien entendu, à l'intérieur, Logan, mais pas que, puisque il y a Hawk qui est également présent. Et je trouve que c'est un personnage qui est presque plus intéressant que Logan à l'intérieur. Enfin, bref, je vous conseille vivement, on est aux alentours de 16€. Moi, c'est simple, j'ai dû lire la BD en moins d'une demi-heure. J'ai ouvert la première page et j'ai fermé directement à la fin. C'est totalement immersif. Alors attention, c'est pour les adultes. Hein. C'est vraiment une BD sans concession et ça vous propose une vision alternative de l'univers des super-héros. Et ça, c'est vraiment, vraiment super sympa, je trouve. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. J'espère que cette nouvelle version de l'Expresso qui aborde un petit peu plus les sujets d'actualité vous plaira. À très bientôt. Lâchez vos commentaires, lâchez vos likes et puis n'hésitez pas à partager. Allez,